par le nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Chers frères et sœurs, nous commençons aujourd'hui l'interprétation de la sourate L'Obscurcissement, qui est une sourate mécoise, comportant 29 versets. Au début de la sourate, des événements troublants et effrayants à la fois nous sont décrits et se produiront à la fin étonnante du monde et ainsi annonceront la survenue imminente de l'heure suprême du jour du jugement. Cette sourate commence par la parole de Dieu, le Très-Haut, qui dit « بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت » par le nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, quand le soleil sera obscurci. Kouirat, venant de takwir, dans le sens de pliage, de rassemblement et d'enroulement, comme l'enroulement du turban sur la tête. Et ce sens a été emprunté au célèbre dictionnaire, la langue de l'arabe. Le soleil sera donc plié ou enroulé ou rassemblé avec sa lumière éclatante et toute sa masse deviendra obscure et sa lumière disparaîtra. C'est comme pour dire que le rôle qui lui a été assigné dans la vie d'ici-bas est terminé. وَإِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ quand les étoiles seront ternies. Pour les étoiles, le sens est clair, mais que veut dire inkadarat? Inkadarat vient de inkidar, dans le sens de écroulement et éparpillement. Inkadarat vient de inkidar dans le sens de noirceur complète et obscurité profonde. En résumé, nous pouvons alors dire qu'au jour de la résurrection, les étoiles perdront leur éclat, seront dispersées et tomberont dans l'abîme de l'anéantissement. D'autres versets confirment ces propos et il est clairement indiqué dans le verset 2 de la sourate 82 « Al-Infitar »« S'effondre ou la rupture » où Dieu dit « وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ » quand les étoiles se disperseront. Aussi dans le verset 8 de la sourate 77, Al-Mursalat, les envoyés, où Dieu dit, Fa'idhan nujumu tumisat, quand les étoiles seront effacées. Wa'idha al-jibalu suyirat, quand les montagnes se mettront en marche. La signification des montagnes est claire, mais que veut dire suyirat? At-tasyir traduit les mouvements des montagnes et les étapes de leur anéantissement, commençant par la marche, passant par la secousse et se terminant par leur conversion en poussière clairsemée.
Enfin, les montagnes disparaîtront sans laisser une quelconque trace et la terre sera totalement aplanie. Dans le verset 20 de la sourate 78, An-Naba, la nouvelle, il est dit « Wasuyiratil jibalu fakanat saraba » Les montagnes seront en marche et feront mirage. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ Quand les chamelles à terme seront abandonnées. Al-Ishar est le pluriel de Ashra, qui est la femelle du chameau, qui est la femelle du chameau qui est en son dixième mois de gestation et prête à mettre bas. Après que ses mamelles aient été remplies de lait. Cette chamelle est le cadeau le plus aimé et le plus précieux pour les Arabes au moment de la révélation du verset béni. Otilat, c'est-à-dire est laissé sans berger ni propriétaire. C'est pour dire que les événements de la résurrection feront oublier à l'homme ce qu'il aime le plus et ce qui est et ce qui lui est plus précieux. Et le savant At-Tabrasi a dit que Al-Ishar sont les nuages et Otilat pour dire qu'ils sont troublés et déréglés dans leur fonctionnement habituel et n'apporteront pas de pluie. Autrement dit, les nuages apparaîtront ces jours-là, mais ne seront pas porteurs de pluie. Aussi, il a été dit que Al-Ishar sont les maisons ou les terres agricoles qui seront désertées et seront dépourvues des populations et d'agriculteurs ces jours-là. Mais notons que l'interprétation la plus répandue de ces nobles versets est la première. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ Quand les animaux sauvages seront rassemblés. Que veut dire al-wuhush? Ce sont les animaux féroces comme tigres, lions et autres qui se méfient les uns des autres. Dans les situations normales, les animaux féroces ainsi que les faibles s'éloignent les uns des autres. Mais ces jours-là, ils seront les uns à côté des autres. Et chacun d'eux ne fera pas attention à ce qui l'entoure à cause de l'horreur de ces jours et de l'intensité de la peur qui anime les créatures. De nombreux commentateurs disent que le verset se réfère au rassemblement d'animaux sauvages au jour de la résurrection pour les tenir responsables dans la mesure de leur perception. Et il donne comme référence le verset 38 de la sourate 6 Al-An'am, les bestiaux, qui dit « Pas une bête sur terre, pas un oiseau volant de ses ailes qui ne forme des communautés comme vous. Nous n'avons rien négligé dans les livres et ils seront rassemblés devant leur Seigneur. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ Quand les mers seront embrasés. Sujirat, ce qui signifie prendre feu.
Et si les gens de l'époque ont été surpris par cette description coranique, aujourd'hui il est très facile de les démontrer car l'oxygène et l'hydrogène qui composent l'eau sont deux éléments capables de s'enflammer rapidement. Et il n'est pas exclu que l'eau. Et il n'est pas exclu que l'eau, au jour du jugement dernier, soit soumise à une forte pression qui conduit à la séparation de ces éléments et qui se transformeront en un mélange gazeux qui s'enflammera. Et il a été dit que sujirat signifie se remplir, être complètement plein et débordant. Et selon d'autres commentateurs, les mers se rempliront puis déborderont et provoqueront des tremblements de terre et la destruction des montagnes, des terres et tout ce qui est autour. Aussi, il n'est pas exclu que les mers se rempliront de pierres et de roches tombées du ciel et qui les feront déborder. Aussi, il n'est pas exclu que les mers se rempliront de pierres et de roches tombées du ciel et qui les feront déborder. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ Quand les âmes seront réunies. Zoujat veut dire ici que Dieu le Très-Haut mettra ensemble les âmes qui seront réparties en groupes de sorte que chacune sera avec ses semblables. Les justes avec les justes. Les abuseurs avec les abuseurs. Les justes avec les justes, les abuseurs avec les abuseurs. Les gens de droite ensemble et les gens de gauche ensemble et ainsi de suite. Cependant, d'autres explications possibles ont été données à ce sujet, notamment les âmes réintégreront leur corps. Les âmes réintégreront leur corps, les croyants seront mariés à de jeunes filles du paradis, les pervers égarés et leurs semblables seront mis ensemble avec Satan et ses démons. Les êtres chers, intimes, séparés par la mort, seront à nouveau ensemble dans la vie de l'au-delà. Les âmes seront mises ensemble avec leurs œuvres. Ensemble, l'au-delà sera le lieu des rencontres et ce jour dernier sera le jour de la vraie union, mais aussi de la vraie séparation. وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ Quand on demandera à la fillette enterrée vivante. Al-Maw'oud, c'est qui signifie la fille enterrée vivante après sa naissance. Bi-ayyi dhanbin qutilat, pour quel péché elle fut tuée. Lorsqu'on demandera à la fillette enterrée vivante juste après sa venue au monde, pour quel crime elle a été mise à mort, alors qu'elle n'a rien fait pour qu'on lui prive de son droit de vivre. Chers frères et sœurs, nous nous arrêtons à ces versets et avec la permission de Dieu le Très-Haut, vous donnons rendez-vous
dans la deuxième séance de l'interprétation des versets restants. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.